Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Uglywood et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de Ugly's Adventure. Alors, vous allez peut-être poser une question au moment où vous regardez ce début de vidéo, mais où est Texas? Où est votre ancienne maison? Que s'est-il placé sur ce serveur Bloom Symphony? Eh ben, pour vous expliquer, je vais en fait tout simplement le dire, voilà, on va pas se faire chier. Donc, donc je vous explique. Texas a eu une magnifique idée un matin du... il semble combien 27, un matin du 27 décembre, il eut une idée faramineuse. Enfin non, nous sommes même le 26, donc je dis de la merde, mais vous l'aurez sans doute le 28, cette vidéo, très probablement. Donc voilà, et donc il a eu une idée. Cette idée, c'était, écoute, moi j'ai un Let's Build, toi tu as Ugly's Adventure. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que je profite aussi de ce serveur? Pour la simple et bonne raison, en fait, il a eu l'idée que là où on était avant, donc il s'est un peu décalé, vous verrez dans ces épisodes, il va faire son Let's Build, en fait. Et, en fait, ce sera comme une terre promise à moi, en fait, ce sera ma terre promise, il va me créer un bâtiment à mon image, et quand il l'aura fini, donc c'est un très grand bâtiment, donc c'est un gros Let's Build qui vous prépare, j'espère qu'en tout cas, il vous fera monter un peu... il vous montrera un peu de son talent, quand même. Et donc, voilà... Et en attendant, moi, en fait, je pars à l'aventure, je vais avoir des défis, enfin, des espèces de quêtes à accomplir. Donc, tout d'abord, ce que je vais commencer à faire, c'est d'abord récupérer des ressources pour profiter un maximum, pour faciliter, en fait, tout d'abord, les quêtes. Donc, les quêtes sont pas du tout... avec un temps, hein, il n'y a pas de temps pour les faire, hein. je fais comme je veux en fait, c'est vraiment Ugly's Adventure, voilà, on se prend pas la tête et puis voilà. Et donc voilà, donc j'ai repris quelques ressources qu'on avait trouvées avec Texas là-bas, et tous les diamants, j'ai pris tous les diamants parce que il en a pas vraiment besoin en fait, il m'a laissé très volontiers les prendre, il en a pas vraiment besoin pour son Let's Build, mis à part une pioche en diamant pour aller un peu plus vite, mais au final, il m'a dit clairement qu'il n'était pas fainéant. Donc voilà. Donc écoutez, ce que je vais faire c'est que je vais trouver un spot pour trouver des ressources et puis on se retrouve tout de suite après. A tout de suite les amis. Et donc re tout le monde, j'ai fini par trouver un peu de melon. Et donc je vous ai dit que j'allais trouver un spot. Bah, j'en avais déjà en fait. Ah du coup bah, moi j'étais parti et j'étais en mode ouais super j'ai trouvé du melon, allez je déterre, voilà, hop, un truc en plus que j'ai. En fait j'avais déjà. Voilà. Bon bref, merde, j'ai laissé la plantation, j'aurais pu récolter la plantation que j'avais fait là-bas avant de partir. Pas grave. Donc je voulais vous dire aussi que cette aventure me permettra de vous parler un peu plus de nous avec Texas. Voilà, c'est vraiment une aventure posée, comme j'aime le dire. Une aventure où on ne se prend pas la tête. Bon, il y aura quand même des défis, faut peut-être pas déconner. Cette aventure, c'est pas non plus de la parlotte et du vide en attendant. Voilà. Donc on va commencer à construire une petite maison, on va terraformer rapidement ici, une toute petite maison, histoire de faire un petit peu plus joli, si vous voulez, moi je sais pas parler, allez hop, on est parti dans un délire de ouf, donc voilà, si vous voulez voir, si vous voulez, oui, donc je vais arrêter de faire le con. Si vous voyez ce que je veux dire. Putain je vais réussir, ça me fait chier. Hein. Donc voilà. Donc on va construire une maison histoire que vous voyez ce que je veux dire en fait. Hein. Voilà. Clairement j'ai pas galéré à le dire depuis tout à l'heure. Donc on va se faire une petite pelle parce qu'on va aller chercher un peu de terre pour terraformer. Voilà. Hop, on prend les sticks et tout. Voilà. Oh le génie. Hein. Là je suis un professionnel du rire. Donc voilà. Donc je voulais vous parler un peu de Noël. En tout cas, moi j'espère que ça s'est bien passé pour vous. On n'a pas vraiment fait de vidéo spéciale Noël. En tout cas moi, c'est plus Texas en fait, qui s'est axé sur la fête cette année. Donc voilà. Et j'espère qu'en tout cas ça s'est bien passé, que vous avez eu plein de cadeaux, que même si vous n'en avez pas eu, c'est pas grave, hein, honnêtement. Noël, c'est pas les cadeaux, hein. Il y en a qui disent, mais attends, moi j'ai eu un putain de Transformers qui se transforme en voiture télécommandée, tu vois le délire. Et toi, t'as eu quoi?
Moi j'ai rien eu, bah c'est pas grave, les mecs ils se foutent de ta gueule, bah, tu lui fous une grosse Michel Bastos, et puis tu te barres, hein, et puis voilà. Donc honnêtement, un Noël c'est pas les cadeaux, hein, faut pas croire que, oh là là, bah, putain, j'ai eu plein de cadeaux, voilà, je suis le papa de Noël, hein, et toi qu'est-ce que tu vas faire, hein? Voilà, faut pas croire, donc là je pars dans un délire de ouf. Hein. En tout cas, moi si vous voulez savoir ce que j'ai eu à Noël, d'ailleurs vous en foutez totalement, mais... Comme je dois remplir en fait la vidéo de Parlotte, bah, je suis obligé de le faire. Donc je le fais. Non, c'est juste que j'ai envie de vous le dire. Donc en fait, j'ai eu le magnifique jeu Destiny. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, bah, vous allez voir sur Google. Parce qu'on nous sommes sur Minecraft. Et on ne parle pas de Destiny. Attendez. Ah, pour mettre ça là pour l'instant. Donc j'ai eu Destiny, franchement très bon jeu. Pour vous dire à peu près ma geekette sur ce jeu et mon, en fait, mon envie de jouer à ce jeu, il est égal à peu près 1 million, puisque en fait je suis niveau 17 en moins de 2 jours. Voilà, donc pour ceux qui se rendent pas compte vraiment du type de jeu, c'est que c'est-à-dire le niveau maximum, enfin, c'est bizarre hein, parce que ceux qui connaissent bien comprendront forcément. Le niveau maximum de base, hein, c'est le niveau 20. Et je suis niveau 17. Donc on se doute que quelque chose s'est passé entre ces 2 jours. Hein. Donc voilà. J'ai eu Destiny, donc très bon jeu. Je vous le conseille vraiment. Honnêtement, bon, je prends chapeau. Bon, après, le seul problème que j'ai trouvé, honnêtement, c'est juste que les quêtes sont très répétitives et les missions sont à peu près toutes les mêmes. Hein. Vous mettez votre spectre en train de pirater quelque chose et vous devez le défendre. C'est à peu près ça. Voilà. Donc ça, j'étais un peu déçu de ça. Mais sinon, c'est un très bon jeu. Je vous le conseille. Vraiment, les graphismes sont assez beaux. Malgré que je l'ai sur 360, du coup, honnêtement, les graphismes sont pas au maximum. Mais c'est vraiment pas mal. Hein. Honnêtement, Bungie, c'est pas foutu de notre gueule hein, en sortant ça. D'ailleurs, Activision, enfin, mon boulot au niveau de l'édition. Hein, faut pas déconner. Très bien aussi. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Donc j'ai eu des mangas. Beaucoup de mangas. Qui sont juste derrière moi, mais vous ne pouvez pas les voir. Donc là, je me tourne en fait en les montrant là. Donc j'ai eu toute la fin de Hunter x Hunter pour ceux qui connaissent pas. Donc du 24 au 32. Donc ça fait beaucoup. Et j'ai eu aussi le début d'un nouveau manga qui s'appelle Blue Exorcist que j'avais déjà regardé en animé et que j'ai trouvé totalement fou. Vraiment super sympa la thématique du respect des autres et tout ça. C'est vraiment hyper intéressant. Et donc je vous conseille vraiment ce manga qui est vraiment... Je dirais qu'il est vraiment pas prise de tête non plus parce que c'est pas non plus une réflexion. Ouah super, punaise, vous voyez là on va apprendre tout ce qu'il faut faire contre l'esclavagisme. Voilà, non non non, honnêtement Blue Exorcist c'est pas ça, c'est plus du bourrinisme. Hein. Voilà. Mais honnêtement moi j'étais plutôt satisfait de ce manga et je vous le conseille vraiment. Hunter x Hunter d'ailleurs aussi. Qui est toutefois un peu gore, hein. Honnêtement, au début, ça peut être tout gentillet, voilà. Oh là là, c'est un petit garçon qui a l'air vraiment sympa, et au final, il vous paraît un peu gore à la fin, honnêtement. Mais bon, ça ne me gêne pas autant que ça au final. Mais bon. Voilà, donc j'ai eu ça, qu'est-ce que j'ai eu, bon, c'est déjà pas mal, hein, honnêtement. J'ai eu beaucoup d'argent, bah, c'est d'ailleurs ma seule rémunération de l'année, en fait. Je sais pas pourquoi je dirais rémunération, parce qu'en fait, j'ai pas besoin d'être rémunéré. Hein. Et oui, parce que je ne travaille pas. Et donc voilà. Donc toi, tu vas te couper parce que tu me saoules avec tes feuilles. J'ai eu ça, j'ai eu un casque Beats Solo 2, qui est dans la pub d'ailleurs. Vraiment un très bon casque que je conseille. Là, à part dans les vidéos, je l'utilise pour écouter de la musique, regarder des vidéos et tout ça. Je l'utilise, c'est vraiment sympa. Quoi qu'il sert un petit peu à la tête, c'est un petit peu dommage à ce point de vue-là, de ce point de vue-là, mais honnêtement, c'est un très bon casque que je vous conseille vraiment. Bah, de toute façon, Beats est connu pour quand même avoir des casques stylés et qui marchent bien en même temps. Bon, après, il y a beaucoup d'autres casques qui sont bien aussi, genre comment ça s'appelle déjà? Les Bones. Comment ça s'appelle déjà la marque qui commence par un B, putain. En plus, c'est une de mes marques préférées, quoi. Bref, je ne sais plus. Donc je pense que c'est un très bon casque et qu'honnêtement oui, il est très satisfaisant pour ce type d'utilisation, c'est-à-dire
musique, vidéo et tout le bazar. Honnêtement, par contre, vous allez, je vous déconseille genre de l'utiliser en casque de gaming parce qu'il va vous faire très vite mal aux oreilles, hein, honnêtement. Enfin, très vite. Il va vous faire mal aux oreilles assez rapidement pour la simple bonne raison qu'il serre beaucoup la tête. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai eu sinon? J'ai eu. Alors ça, j'ai trouvé vraiment ça sympa. Étant donné que j'aime bien le dessin, sauf que là, c'est pas vraiment du dessin. Je pourrais vous le montrer. Je vais essayer de trouver une image sur Internet pour vous montrer. Ce sont des blocs de coloriage anti-stress, inspiration du Japon. Donc moi, j'aime beaucoup tout ce qui est japonais et tout ça. Donc déjà les mangas par les mangas et leur culture. Donc voilà. Je vais vous montrer à peu près avec ce qu'il y a dedans. En fait, c'est du coloriage vraiment. Faut vraiment être doué hein, pour ça. Là j'étais en train de le regarder parce que honnêtement faut pas déconner non plus hein, c'est du dessin de haut niveau, enfin du coloriage de haut niveau plutôt. C'est pas des coloriages pour bébé hein, ça je vous assure tout de suite pour ceux qui se disent oh putain coloriage pour bébé hein, les gamins voilà donc non pas du tout. Non là vous foutez le doigt dans le pif hein. J'adore cette expression. C'est trop drôle là, je m'amuse. Hop, voilà, et donc j'ai eu ça, donc Texas vous parlera sans doute de ses cadeaux, ou pas d'ailleurs, hein, ou alors il s'en bat totalement les cacahuètes, hein, mais sinon il vous parlera peut-être de ses cadeaux à lui. Hein. Donc voilà, on va faire une maison assez sympa quand même, hein, faut peut-être pas déconner non plus, hein, on va pas tortiller du cul pour chier droit. Hein. Cette phrase, je l'adore cette phrase. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, regardez un peu ce génie de l'architecture. Pas du génie les amis, dites-moi ce que c'est honnêtement. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai eu, ce qui est déjà pas mal hein. Ce qui est déjà pas mal sinon qu'est-ce que je pourrais, de quoi est-ce que je pourrais vous parler du nouvel an qui approche très vite, voilà c'est à peu près tout. Non sans déconner voilà nouvel an, fête très, très sympathique accueillie par tout le monde. Avec autrement appelé l'alcool, la bouffe et l'alcool. Même si je n'en consomme pas. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Merci et au revoir. Hop là. Voilà, donc au lieu de dire de la merde, ce que je vais faire, c'est que je vais. On va faire une maison quand même pas trop mal, les amis. Faut pas déconner. On nous prend souvent pour des merdes. Au niveau de l'architecture, je pue de la bite. On peut utiliser cette expression, mais là j'ai une inspiration, je sais pas ce que c'est, mais j'ai une inspiration. Hop. C'est pas dégueu, arrêtez, arrêtez, c'est pas dégueu tout ça. Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici, les amis? Est-ce qu'on continue sur la thématique de ça? Honnêtement, moi ça m'intéresse. Hein. Il faudrait que je fasse en fait, faudrait que je puisse faire un deuxième étage, mais au pire, parce que vous savez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, tout bonnement casser le toit si jamais j'ai besoin vraiment d'un deuxième étage. Pour l'instant, c'est pas obligatoire. Hein. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, on va faire un petit peu de déco, les amis, hein, pour ce premier épisode. Je commence à parler marseillais, moi. Ça va bien. Ah bah super, des armes. Qui vont, dommage, être décédées dans très peu de temps. Voilà. Allez, on va partir dans du japonais, les amis. Hein. Enfin, dans du japonais, du. En tout cas, du design. Donc voilà, on va couper cet arbre parce qu'il m'embête, hein, clairement. Oh putain, un Enderman, les gars. J'ai une idée, les amis. Il m'a peut-être qu'il m'a spoté, donc. Il m'a spoté, très bien. Ok, alors j'en ai buté. Je me suis mort par un tout à l'heure, donc. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, petit Enderman. Laisse-moi régène. Faut y taper avant qu'il nous tape. Il est là, il est là. Ah la bâtard. Il est bloqué là. Non. Il est là. Tapons-le. Il a plus beaucoup de points de vie. Ramène tes cornes.
Je l'ai eu. Il n'a rien loot. Ah, quel salaud, il n'a rien loot. Putain. Quel radin. Donc on ira échanger avec l'émeraude que j'avais trouvé dans mes mines. On ira l'échanger à des personnages. Je suis pas sûr que ce soit hyper worse, hein, mais on va le faire quand même. Ah, très bien. Ah, donc j'imagine que la construction de Texas sera mille fois mieux que ça. Hein. Ah, c'est pas que j'imagine, c'est que je le sais en fait. Hein. Honnêtement, voilà, on va casser ça. Est-ce qu'il nous manque un côté? Ah oui, il nous manque un côté, c'est bien ce que je me disais. On va essayer de pas se casser la gueule aussi. Je ne l'ai pas chopé, du coup on va se casser la gueule au final. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement, c'est pas dégueu. Regardez ce qu'on va faire. Voilà, on va en faire 12. Hop là. Est-ce qu'on regarde si Texas est ici? Texas. Texas. Je ne sais pas s'il est sur le serveur. Je ne l'ai pas vu. Par contre, il y a Only Loser. Vous allez voir sa chaîne, il a arrêté malheureusement, mais il pourra peut-être continuer. Ah non, je ne vois pas Texas. Only Loser qui est en haut à droite, là, tout en haut à droite, dans la dernière colonne. Vous savez quoi les amis? Oh putain. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh l'enculé. Oh l'enculé. Oh putain. Combien de fois je vais être dégoûté dans cette putain de vidéo? D'abord par l'Enderman qui ne doute rien. Ah, j'ai reçu un message, les amis. Ceci est un message du ministère de la Défense pour Hollywood. Hop là. Donc aussi, pour la suite, donc... Ah ouais, c'est bon, je me souviens de quoi je voulais vous parler. Si ça, c'est pas génial... je voulais vous parler aussi de la Opium Destiny tout simplement. Alors, qu'est-ce que va nous amener la Opium Destiny pour cette nouvelle année en fait qui arrive à grands pas? Tout d'abord, vous aurez de nouvelles vidéos sur des jeux indépendants à partir de Steam. Je peux vous les citer, nous aurons du Terraria. Enfin, c'est si je peux l'acheter. Je ne vous promets rien en fait. Là, dans ce que je parle, je ne promets rien, hein, on est d'accord. Donc, je vous promets absolument rien. Mais... il est possible, il est très probable que du Terraria vienne s'ajouter à la chaîne. Même peut-être du Starboon, pour les fans. Vous aurez peut-être même du The Escapist, du Castle Crasher, du Binding of Isaac. Pourquoi pas? Why not? Vous aurez peut-être ça. Mais je dis bien, ça reste un projet. Ce n'est pas encore... disponible. J'espère que j'ai été clair. Très bien. Donc ça pue du cliquet ce que je vais me faire. Donc... hop, très bien. Bon, ça va pas dégoûter. Hein. Hop là. Voilà. Donc c'est bien. Hein, j'espère que je me suis bien fait entendre. Voilà. Donc par contre, ce qui est sûr, ce qui est extrêmement probable, qui est même quasiment sûr, c'est les sorties d'épisodes sur des jeux Xbox One, Xbox 360, parce que Texas a la One, c'est un de ses cadeaux de Noël qu'il a eu cette année. Voilà, je vous spoil si jamais il allait le dire. Non, c'est des tuiles. Et donc voilà, donc il risque de sortir des vidéos sur ces jeux-là, évidemment.
Donc bah, on va s'acheter peut-être un AverMedia ou un HDTVR, comme on le promet depuis tout le temps, mais là on a la thune puisqu'on est après Noël. Et donc on le prévoit depuis très longtemps, honnêtement, depuis très longtemps on se dit, ah faudrait peut-être qu'on fasse des vidéos sur ça, peut-être des vidéos sur ça aussi. Voilà, et rien ne sort au final, rien. Et c'est ça qui est vraiment dommage sur la Opium Destiny, c'est qu'en fait, bah en fait c'est fade. C'est qu'on a... Qu'est-ce que je pourrais dire pour décrire ça? On promet des choses et rien n'arrive. Et ça, c'est vraiment dommage. Honnêtement, je pense que notre chaîne peut devenir quelque chose de très intéressant. Et d'ailleurs, une chaîne qui peut vraiment faire plaisir aux gens. Voilà. Une chaîne qui peut attirer du monde. Et honnêtement, je ne pense pas dire de la merde. Honnêtement, je pense vraiment que on peut attirer du monde avec notre chaîne. Et donc, en vous montrant qu'on peut faire quelque chose, qu'on arrivera forcément à arriver à quelques milliers d'abonnés pour qu'on soit, en fait, ce qui motive un youtubeur, honnêtement, enfin, faut pas se mentir, ce qui motive un youtubeur, ce qui fait que quelqu'un a vraiment envie de, qu'a la rage de vouloir continuer sur YouTube, honnêtement, c'est vraiment l'envie de faire parler quelque chose, en fait, en lui, donc c'est très philosophique ce que je dis. Il a vraiment envie de dire quelque chose en fait. Il a envie de transmettre, je sais pas, ce qu'il sait, quelque chose. J'en ai aucune idée. Parce que moi en fait, ce que j'ai envie, ce que j'ai juste envie de faire avec vous sur la chaîne Opium Destiny, c'est partager le jeu vidéo, tout simplement. Le jeu vidéo, c'est quand même, je dirais pas une de mes passions parce que, enfin, honnêtement, si ça ne tenait qu'à moi, je resterais sur les jeux vidéo toute ma vie. Enfin, c'est peut-être un peu abusé ce que je dis, mais je resterai sur... Je sais pas pourquoi, mais les jeux vidéo, ça m'attire vraiment beaucoup. C'est vraiment un plaisir de jouer. En fait, on découvre quelque chose quand on joue aux jeux vidéo. C'est vraiment... Je sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas comment l'expliquer. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Donc si vous entendez du bruit en bas, c'est normal, c'est mes... C'est mes parents, les personnes de ma famille qui parlent. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer en fait les coffres parce que... Très bien, il faut que je récupère ce coffre. Je l'ai. J'espère que vous entendez pas trop mes clics parce que là, c'est vraiment horrible puisque je spamme comme un gros porc. Voilà. Ah bah il n'y avait pas grand chose au final après. Hop, on spam. Hop, et voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne, chers amis? Ah, je sais ce que je n'ai pas fait encore. Ça pourrait être intéressant. Ah bah, c'est là-haut. Voilà, ça c'est pas mal. Voilà. Et on va mettre une torche au bout. Voilà, parce que je suis créatif. Parce que c'est ce que je veux. Et excusez-moi, re tout le monde, j'ai été dérangé malheureusement. Donc je repars de suite pour faire... Ceci. Pour faire ceci. J'arrête pas de me chier depuis tout à l'heure. Hop. Voilà. Ah! Ah bah! Ça, si c'est pas bon, ça. C'était un bug, évidemment. Et regardez, on va enflammer un peu notre maison. Ah putain, je suis con. Je suis d'une maladresse, excusez-moi. Hop. Regardez comment on gâche la côtelette. Je m'en fous. J'ai le slash kit gardier.
C'est un peu overcheaté d'ailleurs, il donne un peu trop de viande, je trouve. Faudrait qu'il réduise ça. Parce qu'honnêtement. Alors. Alors, cassons ça avec une pelle. Cassons ça avec une pelle, les amis. Regardez, comme je suis un fou, je vais en faire une en pierre. Où est la pierre? Hop. Et regardez. Waouh, une pelle. Hop, on va casser ça. On va casser ça. On va casser ça. Bon, elle a une sale gueule. Je vous l'avoue. Mais c'est parce que vous n'avez pas de goût. Voilà. Vous avez qu'à me donner des idées. Oh. Voilà. Donc je disais quelque chose avant. Ah oui. Voilà. Donc ce que cherche un youtubeur, honnêtement, c'est pas. C'est pas juste faire des vidéos comme ça. Pour passer le temps. Voilà. Moi, j'ai rien à faire. Oh, bon, je vais faire des vidéos comme ça. Ouais, ça peut peut-être faire marrer des gens. Hein. On sait pas. Non, en fait. Ce que je cherche, quand quelqu'un se lance dans l'aventure YouTube, c'est pas vraiment. C'est pas de la new note en fait. C'est pas quelqu'un qui fait. Oh putain, et moi je m'en bats les couilles, allez hop, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je mets mes gameplays. Enfin si. Non, là c'est juste ça en fait. Un vrai. Je vous parle du vrai YouTuber. Du YouTuber qui cherche à montrer quelque chose. Il va pas essayer de. Oh bah putain de merde, c'est vraiment de la bite ça. Regardez. Il va pas essayer de vous démontrer quelque chose avec. Comment dire. Avec de la négativité pure. C'est ça que je veux dire en fait. C'est pas quelqu'un qui va faire oh, putain ça c'est de la merde ça faut détruire faudrait tout baiser faudrait le niquer sa grand-mère voilà c'est pas quelqu'un qui est en train d'insulter à tout va je sais pas comment vous dire en fait il va essayer de transmettre son avis c'est un avis c'est pas c'est négatif ou positif en effet mais il va pas non plus faire son gros fils de fond de fumier et juste critiquer pour critiquer. Juste pour, hein, juste, il n'aime pas quelque chose. Il va pas. Je sais pas si vous comprenez en fait ce que je dis. C'est très bizarre en effet. En effet. Hop. Donc on va arrêter de parler de ça tout de suite parce que je crois que vous en avez marre. Hop. Ah, elle n'est pas tout à fait finie, les amis. Elle n'est pas tout à fait finie. On va creuser tout autour. Ah, très bien. J'ai creusé de deux sans faire exprès. Excusez-moi. Vous savez quoi, on va casser ça aussi. Je vais mettre de la stone brick en dessous. On va créer notre petite maison. Après, il faudra juste l'aménager vite fait. Ah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Pardon. Ah, bien, j'ai le droit de ma santé quand même. Sur ma chaîne. Oh. Donc attendez, hop, on va placer ça comme ça, regardez. Regardez. Oh tout le monde, excusez-moi, j'ai encore été dérangé. Encore et toujours, me direz-vous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un tapis en stone brick. Et en eau. Et oui, chers amis. Ah putain, je suis bloqué. Passe. Alors, où est la stone brick? Où est la stone brick? Parfait. Ah, très bien. En plus, on se loupe. Et en plus, on n'a pas de pioche. Où est la pioche? Elle est là. Voilà. J'espère que vous avez un peu de son du jeu. Parce que je sais que j'aime bien avoir le son du jeu, moi. Donc, j'imagine que tout le monde aime bien un peu en avoir. Toujours plus attractif. Donc, je suis pas un pro de l'architecture. Mais je trouve, honnêtement, que... Cette fois-ci, je n'ai pas fait du caca. Voilà. Et j'arrête pas de me foirer à poser mes blocs. C'est vraiment un truc de ouf. Donc voilà, on va reposer ces blocs là parce que... Voilà. Ici, on va mettre ça. Et ici, on va mettre... Vous allez voir, c'est magique. Vous allez voir. Attention. Voilà à quoi vont servir toutes les récoltes que depuis des années, je récolte. Donc on va prendre un de ça. Et pour qu'on voit de dehors, un de ça. D'un intérieur, pardon. Et vous allez voir que c'est tout un art.
Tout est calculé pour vous montrer la beauté. Je pense que ça, avec ça va être bien. Et ça, avec ça va être bien. Ah bon, d'accord, c'est tout petit, d'accord, très bien. Pas de souci, pas de souci, honnêtement. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi. Est-ce que j'ai une hache? Oui, j'ai une hache. On va casser ça et ça. Excuse-moi, j'ai dû te casser, petite plante. On va faire du 3 aussi ici. Et je vais aller torcher un peu la zone, les amis. Pour que les monstres, en fait, ne spawnent pas autour. Si vous n'aviez pas compris. Très bien, j'ai bugué. Hop. Et voilà, j'ai un petit peu torché. Ça va être parfait. Et donc ici on mettra de l'eau. Et ici on mettra des vitres. Donc ce que je vais faire maintenant, donc je vais couper vite fait pour pas que ça vous fasse chier que j'aille récolter en fait tout ce que j'ai besoin. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Re tout le monde, c'est Et Euclewood. le dindon, vaincu par la gazelle, s'enfuit. Putain. Envie de faire une fois. Allez, j'arrête. Au revoir tout le monde, donc j'ai fini de récolter toutes les ressources Et que j'ai. j'ai le Bentaki au talon. Oh là 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 là. Il tâche sur Nidali qui se fait buter parce qu'il a trop d'... Et donc, re tout le monde, on se retrouve pour la suite de cet épisode 7 de Clis Aventure. J'ai fini de récupérer les ressources que j'avais besoin. Donc on peut le dire, c'était le sable pour faire ces verres magnifiques qui nous permettent de voir en fait la plage. Et puis voilà en fait la plage. Parce que sinon ça nous permet de voir des armes mais c'est pas intéressant. Bah même la plage en fait c'est pas intéressant mais bon. On s'en fout. Hop, je referme la porte comme un gros mongoling. J'ai aussi fait ces coffres-là pour m'y retrouver en fait, hein, tout simplement. Et ici donc nous avons les fours avec le charbon. J'ai pu utiliser la technique de Texas, c'est-à-dire mettre les blocs parce que je trouve ça totalement inutile. D'ailleurs on peut lui dire, hop, on va le mettre dans le chat. Ah bah non, j'ai désactivé le chat donc en fait je pourrais pas le dire. D'ailleurs, est-ce qu'il est sur le serveur? Ah oui, il est sur le serveur, en effet. Hop là. Donc on va améliorer cette petite... comment ça s'appelle? Source d'eau infinie là, enfin notre petit puits en gros maintenant. Hein. Et puis je pense que ce sera bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des petits... on va prendre ces stone briques là, avec des escaliers. Donc voilà, là j'en ai assez. Et des fences. Hop, je vais en refaire d'ailleurs, j'en ai pas assez. Voilà, 7, je sais pas si ce sera suffisant, donc je vais en refaire. Donc je vais prendre... Ouais, on va prendre ça et ça va être suffisant, je pense. Hop. Voilà, ça va nous permettre d'en faire quelques-unes en plus. 2, donc en fait ce sera toujours pas suffisant. Donc on va retourner dans le coffre. Oh, je vais prendre 3 de bois pur. Hop. Comme ça on va pouvoir le remettre en gros des bûches, hein, on est d'accord. Hop. Voilà, j'ai 28 de stick qui nous permettra d'avoir 17 fence. C'est parfait. On est reparti donc. Hop là. Faudrait d'ailleurs que je casse un peu de ces arbres là qui gênent un peu la vision. D'ailleurs, il me gêne tout court maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser la bêtise que je viens de faire. Et on va chercher une pioche. Une hache pour aller tout péter. Hop, où est-ce que oh, tiens, je vais laisser ça, c'est parfait. Hop, mon erreur sera en fait une amélioration. Attendez, où est-ce que j'ai mis tous les équipements déjà? Je crois que c'est ici, voilà. Hop, c'est bon. J'ai ma hache. Hop, on casse l'arme, on le bûche. Et on finira cette petite source d'eau infinie. Ce petit puits, je vais appeler ça comme ça, un puits. Hop, on va casser ça. On va essayer de tenir un maximum de vision autour de ma maison. Et puis surtout, éviter que les zombies spawnent en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur?
Il n'y a rien à l'intérieur. Alors pourquoi ça disparaît pas? Parce que la bûche est en contact. Donc hop, je vais casser ça parce que ça va pas casser avant longtemps, donc on continue à casser. Voilà, super, on récupère des pouces, hein. Franchement, c'est vraiment un truc de fou, hein. Hop, on pose ça ici. Comme ça, en fait, on va pouvoir faire ceci. Très bien, c'est pas comme ça qu'on le fait, donc faut que je retourne à l'établi pour le faire. On peut pas le faire dans le petit établi qu'on a sur notre... Hop, on va en faire 18 de Stone Brick Slab. Ça, c'est pas un joli nom. Hop, on... Alors là, putain, en plus, j'ai pas de pickaxe, quoi. Au secours. Sauvez-moi de cet enfer. Voilà, on va ici, on la chope. Les allers-retours que je fais, c'est un truc de ouf, hein. J'ai remarqué qu'aussi, on avait des moutons en passant, donc... Putain, mais c'est pas vrai, je me foire tout le temps, quoi. Attendez, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Voilà, j'ai réussi. À partir de là, ça va être à peu près 1 million de fois plus simple. Je crois même pas que ce soit suffisant. Vous voyez, avec... Avec... C'est quoi ces bugs là? Hop. Avec 18 de stone brick slab, ça va pas être simple, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la terre. Où est-ce que... Putain, mais je suis toujours paumé, hein. Dès que je refais mes coffres, quoi, c'est un truc de ouf. Hop. Voilà. On fait un truc de genre de charpentier et tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Et voilà. J'ai galère à la mettre, hein. Donc on est d'accord. Hop, on casse ça. Très bien, parfait. J'ai cassé les deux en même temps. Voilà. D'accord, j'ai pas de pelle, du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça comme ça, hop, avec la hache, voilà, on est des bourrins. Et voilà. Maintenant on va mettre les escaliers que j'avais prévu de mettre. Je vais d'ailleurs en refaire, puisque ce n'est pas suffisant. Donc on va finir toute la stone brick, hein, tant pis. Voilà. Il nous en restera quelques-unes. Et on va chercher. Devinez, devinez, devinez. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Ah, très bien, rollback. Mais c'est nickel. C'est parfait. Hop, on va casser ici, comme ça, en fait, on va casser même de plus loin, comme ça, on pourra poser nos... Parfait, elle s'est cassée. On va pouvoir poser nos... Merde, comment ça s'appelle? Nos escaliers. Ce sera parfait. Là, je me gratte la tête parce que je suis un génie. On va même recasser d'un. Vous voyez, alors là. Au niveau du terraforming, on en parle ou quoi? Hop là. Voilà, on va pouvoir poser maintenant nos... Merde, comment s'appelle? Les escaliers, voilà, je vais enfin réussir. Les escaliers. Et donc, c'est parfait. Je voulais faire quelque chose et tout, hein, un truc de ouf, mais au final, c'est un truc banal. Un truc que je fais tout le temps. Mais bon. On va pas se plaindre. C'est déjà pas mal que j'arrive à faire quelque chose de pas dégueu. Donc voilà. Donc je vais ranger mon inventaire. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Hop, on va ranger tout ça. On va mettre les fences là-haut. Tout ce qu'en fait, je vais vous expliquer tout ça. Non. Non, 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 non. Alors là, si je commence à m'embrouiller, ça va pas le faire, hein. Voilà. Hop. Hop. Et l'équipement, on a dit que c'était ici. Voilà. Alors je vous explique. Celui d'en haut, c'est pour le bois, en fait, le bois pur que je ramasse, même le bois transformé aussi. Là, c'est pour les blocs basiques. Ici, c'est pour les équipements. D'ailleurs, je sais pas ce que ça fout là. Ici, c'est pour la bouffe, donc on va mettre ça là-dedans. Là, c'est pour la cobblestone et tout ce qui est en rapport, en fait, avec la stone. Ici, ce sera, en fait, tout ce qui est construit, tout ce qui permet de... Avec, tout ce qui permet d'être... De produire du bois... Et d'être créé par du bois, en fait, grâce au bois. Et ici, c'est tout ce qui est rare. Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Et si Texas me dit non dans le commentaire, parce qu'il m'écoute en ce moment, et eh bien, qu'il aille bien se faire foutre.
Et comme j'ai désactivé le chat, il pourra pas le dire. Alors je vais le réactiver pour juste voir s'il le dit. On va revenir. Voir s'il l'a dit. Eh bien, il l'a pas dit. Ah. Ah, quand même. Ah putain, je me fais attaquer en sortant de la maison, c'est pas cool ça. Une araignée qui me donne... Ouais, super. Deux de ficelle, c'est génial. Hein. Franchement, c'est la vie. Hein. De rien, ma biche. Ouais, il va se détendre tout de suite. Très bien, là, je vais lui casser le nez. Tu ferais... Je sais que ça se dit pas comme ça, mais... De te préparer pour ta dérouiller. Comme ça, c'est... Il va... Comment dire? C'est lui, il va comprendre de quoi je parle. Enfin, j'espère. Donc, je voulais replacer ça dans le coin, et voilà. Donc, bah voilà, ce sera la fin de cette petite vidéo. Donc, petite maison bien sympathique que j'ai réussi à faire. Bon, c'est pas une maison d'architecte de malade, hein, donc j'espère que Texas, comme je l'ai dit tout à l'heure, fera beaucoup mieux que ça. Hein. D'ailleurs, c'est pas que j'espère, je sais qu'il fera beaucoup mieux. Je vais refaire un peu le tour, on va fermer ça. Je vais refaire un peu le tour pour vous montrer un peu le résultat final. Et puis bah moi je vous dis à tard plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Allô?